va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un game of bike. Alors chacun va se lancer un défi, va lancer un défi aux autres. Et celui qui n'arrive pas à faire ce défi, bah, il prend une lettre. Donc B-I-K-E. Et puis bah, le premier qui arrive à faire la bike, le mot bike, bah, il a perdu. Voilà, allez, c'est parti. Bon du coup, bah, premier défi ça va être de sauter dans le talus qui a derrière juste là. Et bah, voilà. Hein. Fais gaffe. Ouais, du coup on va refaire, on va leur donner une autre chance à eux, aux deux. Du coup ça sera à peu près 3 chances chacun. Et on va dire la roue avant à peu près. La roue avant à peu près ici. Du coup, il va en refaire. Donc, c'est pour le plaisir, juste pour le fun, parce qu'il a atterri ici. Et l'autre, il va refaire parce qu'il a atterri la croix avant ici. Donc, il va essayer de passer la ligne, quoi. Tout le monde est passé, du coup personne va prendre de lettres, hein. C'est sur le prochain défi. Bon du coup le prochain défi ça va être, on prend un peu plus d'élan de là-bas, on descend juste ici, et là on saute et on voit qui c'est qui va le plus loin. Donne le bâton. Bon du coup lui il a perdu là. Du coup il a pris la lettre B. Lui il a gagné et moi j'ai gagné. Du coup on a rien pris. Défi suivant. Bon alors, du coup défi numéro 3, ce sera un défi wheeling. On devra commencer de là je dirais nous jusqu'à aller jusqu'au clou là-bas. C'est celui qui va le plus. Ouais, c'est celui qui va le plus. Hein. On dirait un canard. Il a fait. Ouais, coquin en vrai. Bon, il était bon vraiment. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Du coup, le centre de bon, c'est vrai. Ta gueule. Ah non. Bon ben. Mais pourquoi t'es? Bon ben du coup le perdant mon petit fils c'est monsieur. Nico et moi on a réussi. Et voilà. Du coup ça fait B pour moi, B pour raté et Nico rien. Allez, défi suivant. Bon du coup prochain défi ça sera bah, de sauter un petit mur qu'il y a là-bas.
Deuxième essai, c'est un échec. Non, du coup, c'est troisième et dernier essai pour lui, donc il va aller là. Vas-y! Troisième essai, c'est un échec. BI pour Sean, BI pour Mathias. Bon, du coup, pour ce défi, il faut sauter ce saut. Et celui qui ira le moins loin aura perdu. Bon, du coup, pour ce défi-là, lui, il a perdu. Et lui, on a gagné les deux, lui et moi. Et du coup, lui, il a trois lettres. Il a BIK. Et moi, j'ai que BI. Et lui, il a zéro lettre. Défi suivant. Donc, du coup, ce sera, le nouveau défi, ça sera de défendre sa marche. Le plus rapide gagnera et le moins rapide perdra. Le gagnant de ce défi, ça sera Nico, moi je serai deuxième et Mathias le dernier. Bon, du coup, défi suivant, ça serait de descendre en ligne droite en coupant et après descendre par les escaliers jusqu'en bas chronométré. Et donc c'est celui qui fait le temps le plus long qui perd. Donc du coup, résultat du chrono, ben, c'est lui qui a perdu, donc il a BIKE, donc c'est le premier à perdre malheureusement, et donc on va faire la finale entre nous deux. Bon, du coup, dernier défi pour la finale, ça va être de descendre là tout droit. Donc on verra si les deux on le fait. Hein. Bon, du coup la descente est passée mais Mathias n'en sent pas pour faire donc du coup il prend la lettre E donc ça lui fait BIKE et c'est moi le gagnant hein, sans aucune lettre. Bon mais du coup on finit la vidéo sur ça, abonnez-vous, partagez, likez et à la prochaine.